Yo mon Oji, il y a un truc avec lequel je suis pas trop d'accord dans le bouddhisme. Alors j'aime bien, hein, y a plein de principes que je trouve très intéressants. Accepter la vie telle qu'elle est, la réalité des choses, etc. Le monde est une illusion globalement. Je suis d'accord. Maintenant, concernant les désirs de l'homme, l'être humain en général, je pense pas qu'il faut enlever tout désir pour être heureux. Alors oui, si t'as plus aucun désir, effectivement, t'es apaisé, t'es tranquille, puisque t'as plus de souffrance, t'as plus d'obstacles, t'as plus d'épreuves. Mais est-ce que c'est vraiment vivre pour un homme? Et est-ce que finalement, l'être humain doit se satisfaire de ne plus avoir de désir? Je pense qu'on n'aurait pas été très loin, on serait encore dans des grottes. On n'aurait rien construit sans le désir, parce que les hommes sont influencés par leurs passions, leurs émotions. Ce qui fait animer un homme, c'est l'émotion. En anglais, emotion. Donc motion, c'est le mouvement. Si t'as plus de passion, à quoi bon vivre? T'as plus de but. Et c'est ça, selon moi, qui procure le bonheur. La joie, ça vient quand tu progresses en esprit. Quand tu commences à te dire, ok, moi je fonctionne comme ça en fait. Tous les 2-3 mois, j'ai cette baisse de morale parce qu'il se passe ça. Alors peut-être que c'est biologique, peut-être que c'est ces pensées que j'ai en ce moment qui sont pas bonnes. Peut-être que je suis pas dans le bon objectif, c'est pas la vie qu'il me faut, donc je me réoriente. Et quand tu commences à comprendre le monde tel qu'il est vraiment et que ça fonctionne, ça veut dire que ta façon de penser colle avec le monde. À partir de là, quand tu comprends que l'homme est un animal, que toi aussi tu as ça en toi et que tu apprends mieux de te connaître, tu deviens libéré. Et donc pour moi, c'est une philosophie plus proche du stoïcisme, ça rejoint un peu le bouddhisme, mais accepter la vie telle qu'elle est, les épreuves, les souffrances, mais ne pas se dire « je dois couper tous mes désirs ». Pour moi, il y a des choses qui sont bonnes. Par exemple, il faut se satisfaire du nécessaire, de l'essentiel, au niveau matériel, d'accord. Mais au niveau des objectifs, tu dois toujours voir plus grand. C'est ça, l'être humain. Et je pense que Dieu nous a fait ainsi, et la nature cherche toujours à progresser. Les arbres vont plus haut. Eh bien, les hommes, c'est pareil. Ils courent vite, t'as envie de courir plus vite. Tu fais 10 pompes, t'as envie d'en faire 15. Et ça, c'est bien. Faut voir grand. Alors, faut pas s'épuiser en se disant toujours plus, toujours plus. Il faut faire le maximum de ce que tu peux pour atteindre ton plein potentiel. Et ça, c'est vraiment la base du développement personnel. Et je trouve que c'est très sain quand c'est fait dans la sagesse. Encore une fois, c'est une question de juste milieu. Là, je rejoins le bouddhisme. Le Bouddha, c'est la voie du juste milieu. Ni l'ascèse extrême, ni le plaisir qu'on fume la marijuana et tu dis peace and love. Sur ce, je pense que là, je vais galérer à rentrer. J'ai 2 heures de marche, le soleil va se coucher. Alors c'est très beau, je vais kiffer le moment. Mais ça va être de nuit, les moustiques vont être présents. Et c'est ça, voilà, la sagesse, c'est aussi accepter les petites imperfections, les petits trucs un peu embêtants, et profiter du paysage. Il y a des gens dans ma situation, ils diraient, ouais, c'est un pont en bambou. Tu vois, il y a des gens, ils sont tout le temps comme ça. Moi, je trouve ça trop kiffant, là, j'ai l'impression d'être un samouraï en Thaïlande, je sais pas pourquoi, mais sur mon petit pont de bambou. Et voilà, mon G, sur ce, je te laisse avec ces belles images, beau coucher de soleil. Je te dis à très bientôt, c'est que le début du premier rang.